De Saint-Malo, nous sommes partis sur une frégate bien jolie pour s'en aller dedans la Manche vers Bristol pour aller attaquer les Anglais. Au 31 du mois d'août, nous aperçûmes sous le vent à nous une frégate d'Angleterre qui fendait la mer et les flots. C'était pour attaquer Bordeaux. Le capitaine, en la voyant, fit appeler son lieutenant. « Lieutenant, te sens-tu capable? Dis-moi, te sens-tu assez fort pour attaquer l'Anglais à son bord ?» Le lieutenant, fier et hardi, lui répondit « Capitaine, oui. Faites branle-bas à l'équipage, hardi gabier, brave matelot, faites monter tout le monde en haut. » Le maître donne un coup de sifflet pour faire monter les deux bordées. Larguez les ris et vent arrière, laisse porter jusqu'à son bord pour voir qui sera le plus fort. Vire l'offre pour l'offre en arrivant, je l'abordion par son avant. À coups de hache et de mitraille, de pique de sable, de mousqueton, en un éclair je la harimion. Que dira-t-on à Saint-Malo d'avoir pris un si beau bateau, d'avoir pris un si beau navire, 220 pièces de canon, nous qu'en avions que 30 et si bons. Buvons un coup, buvons en deux, à la santé des amoureux, à la santé du roi de France et de tous ces braves matelots qui sont partis de Saint-Malo.